monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous prends aujourd'hui, on est dimanche 16 juillet, je vous prends donc pour la deuxième quinzaine du mois. Comme vous pouvez le voir, on est toujours dans les Vosges, en vacances mais plus pour longtemps, puisque aujourd'hui c'est notre dernier jour complet sur place. Demain il faudra déjà et bien faire les bagages, un coup de ménage et se recoltiner 5 heures de route pour regagner nos pénates. Voilà. En tout cas, on a passé vraiment de très belles vacances. On en gardera un beau souvenir. Tout s'est super bien passé. Il nous reste encore quelques petites activités pour cet après-midi pour profiter. Mais voilà, globalement, ça touche à la fin. Donc, je vais vous quitter dans le vlog précédent en vous parlant de ma lecture en cours, qui est toujours ma lecture en cours. J'ai avancé un petit peu depuis la prise précédente, mais pas non plus énormément. Je suis toujours en train de lire l'oiseau captif. C'est de Jasmine Darznik et en fait, c'est l'histoire... certainement un petit peu romancée, mais d'une poète iranienne qui s'appelle Farrugh Farrokhzad, voilà, qui a vécu de 1935 à 1967 et qui a vraiment marqué son temps, marqué la littérature iranienne. Je vous parlais de poétesse dans ma précédente prise et en fait, je vais revenir sur mes propos puisque visiblement, poétesse est un terme... connoté négativement ici. Ce n'est pas assez féministe visiblement, donc Farrugh préfère qu'on parle d'elle en tant que poète plutôt que poétesse. Donc j'ai bien avancé puisque au départ j'en avais une vingtaine de pages hein, quand je vous ai pris la dernière fois. Et puis hier j'ai vraiment été sur une super lancée. Est-ce que j'en suis à la moitié? Eh bien oui, ça y est, j'en suis à la moitié. Et vraiment, je suis captivée par le destin de cette femme. Je lis vraiment avec passion cette histoire. Et vraiment, j'apprécie beaucoup la plume de l'auteur. Bien que au niveau de la traduction, je regrette qu'il y ait quelques petites coquilles. Alors, il n'y a pas des fautes d'orthographe, mais il y a plutôt des fautes de frappe. Puisque à certains moments, c'est déjà arrivé au moins 4 fois, je dirais, sur cette première moitié. Il manque des mots, voilà. C'est absolument pas gênant dans la bonne compréhension du récit, mais c'est vrai que je me suis dit « Oh, il manque un truc là ». Mais vraiment, je me régale et j'aurai l'occasion en rentrant à la maison de vous donner mon avis final sur ce livre. Parce que j'ai bon espoir qu'entre la journée d'aujourd'hui et puis le retour en voiture, j'ai le temps de venir à bout de ce livre. Quoique après, je ne sais pas combien d'heures je vais être amenée à conduire sur le retour. D'ailleurs, parlons voiture et enfants. Je ne sais pas si vous, les deux, ça fait bon ménage. Je sais que dans certains cas, les enfants supportent très bien les longs trajets en voiture. Et puis, chez d'autres familles, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Nous, on a l'extrême chance avec Félix d'avoir un bébé hyper cool en voiture. Ça a été le cas avec son grand frère Marius et ça n'a pas du tout été le cas avec Louise. Louise bébé, c'était l'horreur dès qu'elle prenait la voiture. Bon, quand c'était quelques minutes pour aller faire les courses ou quoi que ce soit, ou aller chez la famille, ça allait, mais dès que c'était des longs trajets, elle hurlait littéralement tout le temps. Et moi, j'étais en état de transe à l'avant, en train de transpirer, en train de me torturer le cerveau. Je ne supporte pas entendre mon bébé pleurer et ne pas pouvoir agir. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles je suis vraiment extrêmement sensible. Donc Louise bébé en voiture, c'était pas ça. Et puis même maintenant, elle est tout le temps très pénible. Elle parle. C'est une grande bavarde. Et puis toutes les 5 minutes, et quand est-ce qu'on arrive? Et quand est-ce qu'on arrive? Et quand est-ce qu'on arrive? Du coup... j'ai préparé un petit outil pour l'aller que je ne vous ai pas montré dans le vlog précédent, mais bon, allons-y gaiement. De toute façon, les vacances ne sont pas terminées pour tout le monde. Hein. Je sais que nous, on repart le mois prochain. Et puis là, pour le retour, ça va encore m'être bien pratique. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite astuce qui consiste à mettre sur une feuille des post-it avec les heures numérotées. Donc clairement, nous... De chez nous à ici, on a 5 heures de route efficace. Alors je dis efficace, évidemment ça ne comprend pas les deux pauses qu'on prend en cours de trajet. Mais en gros, à chaque heure qui passe, vous enlevez un post-it pour motiver les troupes. Et vraiment, je peux vous assurer que dans mon cas, dans ma famille, vraiment ça motive les grands et ça les fait patienter plus facilement. Nous, on ne cède pas à la facilité qui consiste à mettre un dessin animé aux enfants. Déjà, on limite vachement le temps d'écran. On est déjà, hein, vous le savez, je pense, si vous avez vu mes précédents vlogs, mais on est en
plein exercice de faire stopper le suçage de pouce intempestif de Marius pendant ces 2 mois de vacances. Et autant vous dire que ma petite idée qui consiste à lui donner un jeton à chaque demi-journée sans suçage de pouce et qu'au bout de 4 jetons, ça l'amène à regarder un gros dessin animé, ça a fonctionné, mais au-delà de mes espérances. C'est-à-dire que dès la première demi-journée, c'était OK. Donc, je suppose qu'il suce encore son pouce pour la sieste et la nuit. Pour le moment, je m'en fiche. C'est déjà au moins, il peut complètement arrêter la journée. On est hyper fiers de lui, mais du coup, il a accès à beaucoup de dessins animés. Je ne vais pas en plus lui remettre un dessin animé dans la voiture. Surtout que quand lui, il regarde son dessin animé, j'essaie de faire en sorte que Louise, elle, soit occupée à autre chose. Parce que je ne veux pas qu'elle en regarde autant que son frère. Voilà. Et en plus de ça, elle ne suce absolument pas son pouce. Bref, quoi qu'il en soit, les dessins animés dans la voiture, chez nous, c'est non. En revanche, le palliatif, c'est la Luni, donc cette boîte à histoires que vous connaissez peut-être de nom, qui a un succès incroyable et qui n'a aucun écran, et où en fait, le principe, c'est que l'enfant choisit les composantes de son histoire. Il choisit le personnage, il choisit divers objets, divers endroits, et puis voilà, on nous fait un joli méli-mélo, et puis pouf, ça vous fait des histoires. Et on peut télécharger d'autres packs sur Internet pour enrichir un peu ce catalogue d'histoires. Et ça fonctionne tellement bien en voiture. Ils y passent littéralement des heures. Ils ont chacun leur casque qu'ils peuvent brancher ensemble sur la même Luni. Après, je ne vous cache pas qu'avec une Luni pour deux, il y a parfois des incidents diplomatiques parce que Louise veut tenir la boîte à histoire, elle veut choisir elle-même des choses, mais elle est encore un petit peu petite et elle ne sait pas très bien manipuler la boîte, même si elle a 3 ans. Voilà. Donc on laisse ce soin-là à Marius et elle écoute. Je ne vous cache pas qu'on a quand même une deuxième boîte à histoire à la maison qu'on n'a pas encore offert aux enfants, mais c'est évident qu'avec 3 enfants, une seule boîte à histoire à terme, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, écoutez, ça fait 10 minutes que je parle, pour pas dire grand-chose en plus. Donc je vais me taire, je vais vous laisser là, et puis je vous reprendrai quand on sera de retour à la maison. Hello!
Aujourd'hui, on est mardi 18 juillet. Est-ce que je mets une lumière ou pas? Il fait sombre. On va tester la lumière. Ah, je suis au bout de mon slip aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très fatiguée. Je suis très fatiguée, j'ai pas beaucoup de patience et forcément, vous le savez, je pense, j'espère. Le comportement des enfants, c'est un peu le reflet de votre comportement à vous. Plus vous allez être patient, plus vous allez être doux, compréhensif, de bonne composition, et ben mieux ils vous le rendront. Et si vous êtes tout l'inverse, bah tant pis pour vous. Et du coup aujourd'hui, tant pis pour moi. Voilà. Donc c'est compliqué. Donc là, je souffle. Ah, oh, parce que bon sang, ils sont tous les trois à la sieste, même si ça ne doit pas durer longtemps. Tant que ça dure, pourvu que ça dure, quoi. Bon, du coup, je reviens vous parler une dernière fois de L'Oiseau captif, roman que j'ai terminé hier quand nous sommes rentrés à la maison. Je l'ai beaucoup avancé sur la route, mais je ne l'ai pas fini en route. Je l'ai fini vraiment hier soir. Et j'ai adoré ma lecture. Ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est un beau 4 sur 5, quoi. Franchement, c'est un roman qui m'a énormément marqué. Donc, pour rappel, c'est l'histoire de Fourougue, qui a réellement existé, qui est encore aujourd'hui considérée comme une icône dans son pays qu'est l'Iran. Et il y a chaque année des milliers de personnes qui viennent se recueillir sur sa tombe, tellement elle a marqué son époque. C'est la figure emblématique de l'émancipation féminine, de la femme libérée, de la femme audacieuse. Voilà. Donc elle a écrit bon nombre de poèmes durant sa vie, des poèmes qui concernent son vécu, notamment amoureux. Alors j'ai pas adhéré à absolument toute la personnalité de cette femme. Elle a fait des choix de vie qui auraient été très différents des miens si j'avais été à sa place, c'est sûr. Mais en tout cas, on ne peut pas nier le fait qu'elle ait eu un rôle majeur dans la société iranienne et qu'elle a eu le courage de dénoncer le système en dépit de ce qui risquait de lui tomber dessus. Suite à ça, voilà. J'ai énormément apprécié cette histoire parce qu'au départ, je pensais que l'auteur allait vraiment s'attacher uniquement à l'histoire de cette femme, mais non, elle va bien au-delà, puisque cette histoire, c'est également l'histoire de la ville de Téhéran, avec les différents changements qu'elle a subis au cours des années, et aussi l'histoire d'un pays qui est l'Iran. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement enrichissant comme livre, extrêmement éducatif. On en apprend énormément sur tout le contexte économique, politique, culturel, religieux. C'était voilà, c'était très enrichissant. On nous parle du journalisme, des débuts du journalisme, on nous parle réalisation de films, on nous parle hôpital psychiatrique, on nous parle puits de pétrole. Vraiment, ça va au-delà du destin de cette femme. En tout cas, à travers l'histoire de cette femme, c'est l'histoire de l'Iran qui nous est brossée. Et waouh, vraiment. Ben, je ne regrette absolument pas cette lecture. En revanche, c'est sûr que j'avais pas envie, sortant de ce roman, de me plonger dans un livre historique ou un livre contemporain. J'avais vraiment envie de laisser parler l'imaginaire. Et c'est pour ça que ma nouvelle lecture, c'est un Charlie Davidson. Et c'est pas n'importe quel Charlie Davidson, c'est le numéro 13. Et c'est le dernier de la série. J'ai longtemps repoussé ce moment, mais là, je me suis dit, je suis prête à dire adieu à Charlie. Même si, bon, voilà, c'est pas un réel adieu, ce n'est qu'un au revoir. J'ai pas eu le temps de lire beaucoup ce matin. J'étais très occupée avec la maison et les enfants. J'en ai lu 26 pages. Mais j'ose espérer que ce sera un beau coup de cœur et que ce tome sera clôturé de façon magistrale. Cette saga, j'aurai l'occasion de vous en reparler. J'ai des petits colis à ouvrir avec vous avant de vous laisser pour aujourd'hui. Alors vous m'excuserez, il y a un colis que j'ai déjà ouvert. Je l'ai ouvert machinalement sans me dire, oh, au fait, garde-le pour le vlog. Non, bah désolé, voilà. Donc il est déballé. C'est une commande Vinted. C'est un Holy Black que je me suis acheté. C'est le livre de la nuit sorti chez De Saxus. C'est le premier tome d'une duologie de type urban fantasy. Holy Black, on la connaît à travers donc sa trilogie Le Prince Cruel. Et je n'ai lu de cette trilogie que le premier tome, mais premier tome qui m'avait valu quand même un coup de cœur. D'ailleurs, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire que je vais lire là très prochainement. J'avais hésité d'ailleurs à sortir le Charlie Davidson ou le Roi Maléfique, qui est le deuxième tome de la trilogie du Prince Cruel.
Et puis finalement, bah voilà, c'est Charley qui l'a emporté. Trop balèze, cette Charley. Il n'empêche que je me suis acheté le livre de la nuit, même si j'ai vu quelques commentaires plutôt mitigés à l'égard de cette lecture. Moi, j'ai envie de me laisser convaincre et je pense que ce livre a tous les éléments pour me convaincre, étant donné que je suis grande amatrice d'urban fantasy. Il faut savoir que les personnes qui ont moyennement apprécié ce livre pensaient lire quelque chose qui ressemble au Prince Cruel. Or, le Prince Cruel, c'est de la fantasy. Donc non, on ne peut pas comparer de la fantasy et de l'urban fantasy, c'est quand même pas pareil. Donc je comprends qu'il y ait certaines personnes qui aient été déçues ou désarçonnées, en tout cas, en entamant le livre de la nuit. Maintenant, moi je sais à quoi m'attendre à peu près, j'ose espérer que je serai satisfaite par cette lecture. Dans cette histoire, on va suivre notre personnage principal qui s'appelle Charlie, qui est barmaid, anciennement escroc de bas étage, et puis bon, elle essaie un petit peu d'améliorer les choses dans sa vie. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a longtemps travaillé avec des crépusculiens qui étaient des magiciens capables d'appeler les ombres et de les manipuler. Et puis là, je crois qu'elle essaie un peu de se racheter une conduite et en même temps, il faut qu'elle aide sa sœur qui a désespérément besoin de magie. Bref, il y a tout un petit univers à appréhender au départ. Ça a l'air vraiment bien sympathique. Et puis donc, c'est un livre que j'ai acheté d'occasion en état comme neuf et il est réellement en état comme neuf. Et ça fait juste trop plaisir. Voilà. Autrement, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Eh bien, on va continuer sur les livres puisque j'ai reçu ce matin des services presse de la part des éditions Kiman. Donc on va ouvrir ça ensemble. Je leur ai demandé deux albums avant de partir en vacances. Ça devait arriver un petit peu plus tôt à la maison, mais comme je savais que ça n'allait pas rentrer dans la boîte aux lettres, j'ai demandé au transporteur une relivraison. Enfin non, pas une relivraison, parce que du coup il est passé qu'une fois, mais j'ai demandé en tout cas à modifier la date de livraison pour pouvoir être là et recevoir, voilà, ce colis. Donc, qu'avons-nous à l'intérieur? Nous avons deux albums. Le premier, c'est le Dodo qui rêvait de voler. Alors, vous savez quoi? Je vais lire rapidement et puis du coup, je vous en reparle dans un instant. Alors, du coup, je vous retrouve quelques minutes plus tard. Je viens juste de terminer la lecture de cet album qui est mignon comme tout. On nous parle d'une jeune Dodo. Donc, vous savez, les Dodos sont ces animaux qui ont malheureusement disparus et qui, lorsqu'ils existaient, ne savaient pas voler. Voilà. Et donc, on a cette petite dodo qui s'appelle Mia et qui a très envie de voler, d'être la première dodo à savoir voler. Et alors, ses amis se moquent un petit peu d'elle. Ils essaient de la décourager. Il n'y a que son père qui finalement l'encourage et l'incite à être persévérante et à croire en ses rêves. Donc, je trouve que c'est un joli message qui ressort de cet album, un message très optimiste, en tout cas comme je les aime. Et Mia va s'accrocher à son rêve et finalement, elle va faire preuve d'astuce pour réussir à voler. C'est très mignon, ça se lit vite, c'est chouette, je suis sûre que ça va plaire à Marius ainsi qu'à Louise. J'aime beaucoup les couleurs, en revanche, bon, le trait de crayon, j'en suis pas hyper, hyper friande. Mais j'aime bien le message de cet album, donc en ce qui me concerne, c'est tout à fait validé. Et alors, l'autre album que j'ai reçu, c'est dans un tout autre genre. On est plus dans une histoire plus loufoque, un peu plus fun, vous voyez. C'est Goupil et Fils, on adore. Et puis alors, surtout, c'est écrit, c'est illustré par Paddy Donnelly. Je n'ai pas d'autre album de Paddy Donnelly, je pense que je vais y remédier bientôt. Les éditions Kiman ont sorti pas mal de ses albums. Il a dû en faire 5 ou 6 en tout, je crois. En tout cas, il a un coup de crayon très reconnaissable, je trouve. Et j'aime énormément les illustrations de cet album et de tous ceux qu'il a pu faire. Alors, de quoi parle cette histoire? Goupil, c'est le papa. Et il a beaucoup de talent. Il fabrique des queues pour les animaux qui en ont besoin. Sauf que son fils, il trouve que ça manque un petit peu d'aspect sensationnel, vous voyez. Donc il a envie de mettre son grain de sel dans l'ouvrage de son père et de proposer davantage de queues, des queues un petit peu rigolotes, des queues qui sortent de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, je vais vous montrer 2-3 pages pour que vous puissiez vous rendre compte des super dessins. On a des queues de dinosaures, du coup, des queues de sirènes. Ça part dans tous les sens. J'aime énormément ce type d'histoire très loufoque aussi. Comme je vous le disais, c'est extrêmement différent du dodo qui a envie de voler et qui n'y arrive pas.
Mais c'est tout aussi plaisant. Un grand merci, Kimène, pour ces réceptions, vraiment. Je sens que ce soir, pour l'histoire du soir, non seulement on va avoir le choix, et en plus de ça, grâce à vous, on va vraiment se régaler. Dernier petit colis à ouvrir, et ensuite je vous laisse pour aujourd'hui. J'ai enfin reçu, alors ça m'attendait dans la boîte aux lettres, c'est arrivé pendant que nous étions en vacances, mais j'ai enfin reçu une commande que j'ai passée il y a un peu plus de 2 mois. C'est une commande de protège carnet de santé. Donc que ce soit pour le carnet de santé de Marius avec ses beaux arcs-en-ciel ou le protège carnet de santé de Louise avec ses belles petites fleurs, je les commande systématiquement sur le site internet de la créatrice Rose et Confetti, qui a un compte Instagram que vous pourrez retrouver très facilement. J'aime énormément son travail, j'aime énormément les associations de tissus qu'elle utilise, sa police d'écriture, bref, tout. J'aime tout. Et j'ai donc passé commande pour avoir le protège carnet de santé de mon petit Félix. Voilà. Donc je l'ai longtemps attendu et puis il était temps parce que franchement, c'est tellement fragile ces trucs-là que ça commence déjà à se corner dans tous les sens. Et le voici, le voilà. Il a fallu à peu près, oui, comme je vous disais, un peu plus de 2 mois pour que je le reçoive. En soi, je ne suis pas pressée, donc ça ne me dérange pas. Mais si jamais vous avez envie d'offrir un protège-carnet de santé comme cadeau de naissance, et bah, partie du principe que ça va mettre pas mal de temps quand même à arriver. Mais ça finit toujours par arriver. Alors c'est chouette parce que du coup, je vais le redécouvrir en même temps que vous, étant donné que ça fait tellement longtemps que je ne me rappelle même plus quel motif j'ai choisi. Donc oui, on est sur un imprimé plutôt savane. Et voilà pour Félinou, le petit chou. Je vais habiller son carnet de santé et puis je vous montre. Il est trop beau, je ne suis pas déçue. Voilà, je trouve que ça fait très mignon. Alors en plus de ça, c'est totalement mixte, hein. C'est pour un petit garçon, mais ça peut très bien convenir pour une petite fille. Même si je dois avouer que c'est toujours le même débat, le même problème, je trouve que les petites filles sont beaucoup plus avantagées que les petits garçons en termes de choix pour à peu près tout et n'importe quoi. À commencer par les tenues, les chaussures, bref, tout ce qui est fille est beaucoup plus mignon que tout ce qui est estampillé garçon. Notamment là, on a bon nombre de tissus à fleurs sur son site internet. Donc vraiment, quand on est une petite fille, on peut se faire plaisir. Après, je dis pas, hein, les fleurs, c'est très bien pour les garçons aussi. Mais je me suis dit, comme très probablement, ils vont le conserver quand ils seront adultes, ce protège carnet de santé. Pour les garçons, je préférais quand même quelque chose d'à peu près neutre qu'ils aient envie de conserver, et ben, je sais pas, au hasard, toute leur vie. Et alors du coup, là, ce que je fais pour les carnets de santé de Marius et Félix, c'est que je vais inscrire à l'intérieur que les garçons ont eu la varicelle. Alors je sais, je suis pas docteur, hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont la varicelle et pas autre chose, ça c'est clair et net. Et je trouve que c'est important que ce soit noté dans le carnet de santé. On va certainement pas aller chez le docteur pour le faire inscrire. Parce que, on va pas payer pour pas grand-chose, quoi. Enfin. Il n'y a pas de médicament pour la varicelle, si vous voulez. Ça passe tout seul, à part un coup d'éosine ou du psyllium, bref, quelque chose qui assèche les boutons. Et puis vraiment, c'est tout, quoi. Donc en fait, je trouve que c'est important qu'il y ait une trace écrite dans le carnet de santé des enfants. Parce que si jamais pour X ou Y raison, dans quelques années, je devais finir sénile au moment où mes grands seront grands et parents à leur tour d'enfants qui auront chopé justement à ce moment-là la varicelle et qui se demanderont, et moi alors, est-ce que j'ai eu la varicelle quand j'étais petit? Et que je ne suis pas en mesure de leur dire avec des yeux chassieux et une voix chevrotante, oui mon petit, tu as eu la varicelle, c'était en l'an de grâce 2023. Eh bien, au moins, ils auront certainement sur eux leur carnet de santé et qui leur permettra d'avoir rapidement l'info. Voilà. Donc, oui, moi, je trouve que c'est important de noter dans leur carnet de santé qu'ils ont eu la varicelle. Et puis, Louise, je le fais pas parce que pour le coup, elle avait bénéficié d'une visite mensuelle de Félix quand elle avait eu la varicelle pour que ce soit noté dans son carnet à elle. Parce que quand on est adulte et qu'on a un enfant qui a la varicelle, c'est quand même important de se poser la question, savoir si soi-même on l'a eu ou pas, étant donné que les formes de varicelle ne sont pas du tout graves chez les enfants, c'est vraiment de l'ordre du bénin, mais du pénible, mais du bénin quand même, alors que chez l'adulte, ben, ça peut être plus grave, puisque ça peut prendre la forme d'un zona, qui est très douloureux. Voilà, donc c'était la petite minute santé d'Emmanuel.
Hello tout le monde, aujourd'hui on est samedi 22 juillet, je vais vous prendre un petit peu en vlog aujourd'hui. Je vous retrouve au volant parce que je viens de repartir de chez mon grand-père où je suis allée lui livrer des petits fromages de chèvre. Vous vous rappelez, on est parti en vacances dans les Vosges, on a visité notamment une chèvrerie, on a pu traire les chèvres et on a surtout acheté du fromage pour nous mais aussi pour la famille en sortant. Et donc voilà, je suis allée lui livrer les petits fromages de chèvre qu'on lui avait réservés. Et j'ai d'autres petites courses à faire. Il faut notamment que je passe faire des doubles de clés de la maison. Et il faut surtout que je passe chez l'opticien parce que, eh bien, il faut que je commande des lunettes. Je suis passée chez l'ophtalmo il y a peut-être 2 mois de ça, motivée par l'envie d'avoir une paire de lunettes de soleil à ma vue pour la conduite. Et quand je vois l'heure, je me dis qu'il faudrait vraiment que je me taise et que j'avance dans tout ce que j'ai à faire parce qu'on va manger des petites gaufres salées à la tomate ce midi et que la pâte n'est même pas prête. Donc on est en milieu de matinée, il faut vraiment que j'accélère le mouvement pour faire tout ce que j'ai à faire et je vous reprendrai, je pense, en début d'après-midi parce qu'aujourd'hui va avoir lieu la chasse au trésor annuelle des enfants. Hello, me revoilà. Je viens de me barricader à clé dans la véranda parce que les enfants sont à la sieste et je ne sais pas du tout quand est-ce qu'ils vont débarquer. Et comme je n'ai pas encore planqué leur trésor, j'avais pas envie qu'ils me grillent avec en train de tout montrer comme ça d'un coup d'un seul en vidéo. Voilà. Du coup, je vous parlais tout à l'heure dans la voiture de cette chasse au trésor que j'organise tous les ans. Je dis ça comme si ça faisait 10 ans que j'organise chaque été les chasses au trésor, pas du tout. Mais je trouve en tout cas que c'est une idée que vous pourriez éventuellement reprendre parce que ça plaît beaucoup aux enfants. C'est très simple à organiser. Et puis, un rien leur fait plaisir. Hein. C'est-à-dire que pas la peine forcément de faire des achats à n'en plus finir, d'en avoir pour très cher, alors que un petit paquet de bonbons et un livre, ça fonctionne très bien. Moi, c'était ce que j'avais fait l'année dernière et Marius s'en rappelle encore. Il se rappelle très bien où était la cachette et que contenait le trésor. Ils avaient reçu un nouveau mini-loup et un petit paquet de bonbons. Alors cette année, il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus parce que déjà, il y a un enfant en plus et je voulais aussi faire plaisir à Félix. Et il y a beaucoup plus parce que j'ai acheté des choses que si je n'avais pas inclus dans le trésor, je leur aurais offert quoi qu'il arrive avant les prochaines vacances. Puisqu'il faut savoir que chaque été, au mois d'août, on part en Haute-Marne retrouver eh bien, la famille de mon mari. Et comme ça, les enfants passent une semaine avec tous leurs cousins-cousines. Il faut dire qu'on est nombreux, puisqu'au niveau des cousins-cousines, les enfants, ils sont pour le moment 15 et il y a un 16e qui est en route. Donc voilà, ça fait des gros rassemblements. Et là où est située cette petite ville en Haute-Marne, il y a un point d'eau juste à côté où les enfants passent vraiment tous leurs après-midi de l'été à s'éclabousser, à nager, à essayer de pêcher des trucs. Bref, c'est une petite rivière. Et j'ai pris des choses chez Jiffy pour les enfants en vue de cette vacance. Mais ça peut aussi servir dans la piscine qu'il y a dans le jardin actuellement. Et ça peut aussi servir au parc de jeux où il n'y a pas non pas une rivière, mais il y a en tout cas une espèce de petite rue qui passe. Voilà. Donc il y a beaucoup plus de choses que l'année dernière, mais franchement, vous pouvez mettre 3 fois rien, ça leur fera également très plaisir. Mes enfants ne sachant pas encore lire, moi je fonctionne avec des cartes. Donc il y a un aspect vraiment très visuel. Ce que j'ai fait l'année dernière et ce que j'ai complété en continuant un petit peu cette année pour augmenter le nombre de cartes et le nombre de cachettes, j'ai pris avec mon téléphone des photos. De leurs jeux, de leurs livres, d'éléments de la maison, en vraiment gros plan que je suis ensuite venue imprimer et coller sur bah, du carton. Voilà. Donc tout ça, on a à la maison de la colle, des ciseaux. Bon, une imprimante, si vous n'avez pas, vous avez peut-être moyen de vous arranger ou de trouver une autre astuce. Mais bon, allez, on fonctionne avec un système de cartes comme ça. Donc la première, je la leur donne. Et par exemple, ils vont voir ça et vont se dire, ah, il faut qu'on aille voir les gros duplos de Félix. Ils vont farfouiller dans les gros duplos de Félix, ils vont trouver à l'intérieur une autre carte qui va mener à un autre endroit, qui va conduire à une autre carte, à un autre endroit, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils tombent sur le trésor. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai choisi d'inclure dans leur trésor de cette année. On va commencer par Félix. Félix, je lui ai pris un petit jeu que tout le monde connaît, parce que c'est vraiment un classique, ça existe depuis des années et des années, ce petit téléphone Fisher-Price. Je l'ai acheté pour une bouchée de pain sur Vinted. Voilà, donc je lui ai pris ça. Je lui ai également acheté
un livre il y a quelque temps que je vais vous montrer. C'est un petit livre retour de marché. Ça s'appelle justement Un petit tour au marché. Avec des tirettes. Voilà, donc c'est un livre tout carton qui fait apparaître et disparaître certains objets avec les petites tirettes. Donc en ce moment, il est à fond dans le coucou caché, les apparitions et disparitions, c'est vraiment son truc. Donc c'est des petits animaux qui vont se rendre sur le marché, voilà. Donc c'est vraiment hyper mignon, j'ai craqué, je ne l'avais pas du tout repéré à l'avance, je suis tombée dessus par hasard. Et vraiment, j'aime beaucoup. Après, je regrette que les tirettes soient si difficiles en fait à manipuler. Je pense que c'est parce que le livre est neuf, il faut peut-être juste qu'il se fasse. Voilà, on a des petits rabats comme ça. Je le trouvais vraiment trop chou. Donc, on a un petit tour au marché pour Félinou. Et ensuite, pour les grands catons, donc pour toute la partie jeux d'eau, etc., je leur ai trouvé chez Ify deux bateaux comme ça. Ouais, oui, alors je me suis dit cette année, je ne rachète pas de pistolets à eau. J'en ai ras-le-bol des pistolets à eau. Hein, zut, crotte prout, ça m'énerve. Chaque année, j'en achète plein et chaque année, ils me les bousillent. En même temps, c'est de la mauvaise qualité. Bref, donc j'ai eu quand même pitié d'eux parce que du coup, je crois que sur le stock que j'avais acheté l'année dernière, il n'y en a plus qu'un seul qui est en état de marche. Donc je suis partie sur des petits aspergeurs comme ça. Il y en a un avec une queue de sirène et l'autre, c'est un petit poulpe trop mignon. Faut que j'enlève les étiquettes. Donc voilà, ils pourront quand même s'arroser un petit peu. Toujours chez Jiffy, je leur ai pris une petite épuisette chacun. Comme ça, ils peuvent ramasser les cochonneries qui viennent se scratcher dans la piscine, genre insectes qui ont des tendances suicidaires, feuilles mortes, etc. Et puis, quand on sera en Haute-Marne, eh ben, ils pourront pêcher 2-3 trucs avec. Donc c'est télescopique, hein. Croyez pas que c'est tout petit comme ça, vraiment, voilà. C'est télescopique. Donc ça fait, je sais pas, vu le nez... On est sur un bon... on est sur 50-60 cm environ de long. Voilà. Donc, pour la partie haut, c'est tout. Et alors après, pour la partie un peu plus random, je leur ai pris... Je crois même pas que c'est moi qui les ai achetés. Ça, je me demande si c'est pas la marraine de Marius qui lui avait acheté à un moment donné que j'avais pas encore offert aux enfants. Ou alors c'est moi qui ai acheté ça chez Action il y a quelques temps et j'ai complètement oublié. C'est possible aussi. Donc c'est deux planches exactement les mêmes avec des gommettes. Vous savez, c'est les gommettes en relief avec une petite bulle d'air à l'intérieur là. Ensuite, il y a quelque chose que je vous ai déjà montré dans un précédent vlog. Donc je ne vais pas y revenir trop longuement. Mais j'avais acheté à l'occasion d'une vente privée sur laquelle j'avais 10 euros à dépenser. Deux livres de chez Grund, c'est le livre de découverte de mes 3 ans pour Loulou. En plus, vous allez lire Rose, elle va être trop contente. Et le livre des découvertes de mes 4 ans pour Marius. Voilà, voilà. Donc, on va avoir une après-midi lecture à prévoir. C'est pour ça que je voulais absolument vous prendre maintenant. Comme ça, après, je suis 100% disponible pour mes enfants. Ensuite, au Furie du Nord, au détour de mes pérégrinations... Je suis tombée sur des sets de tables très sympas. Je me suis dit, ça fera plaisir aux enfants d'avoir ça. Donc, il y en a un où c'est la carte de la France. Et en fait, il faut savoir qu'on avait reçu, il y a peut-être un an de ça maintenant, en service presse, un choupi qui fait le tour de France pendant ses vacances avec ses parents. Et à la fin du choupi, il y a une carte avec les enfants s'amuser à montrer avec leur papa les endroits où on était déjà allé avec eux. Et bon, bah, plus le temps passe, plus on a l'occasion de partir en vacances, de voyager, etc. Et il faut dire que cette carte-ci, elle est quand même bien plus détaillée au niveau des villes. C'est plus, on va dire, visuel que dans le Tchoupi. Donc, je me suis dit que ça pourrait leur plaire d'avoir ça. Et l'autre, eh bien, c'est un petit alphabet comme ça, un petit abécédaire avec la première lettre du mot, l'initiale de chaque mot coloré et en gros. Et le reste du mot écrit à côté, des petits dessins. Alors, je suis un petit peu déçue, en fait, parce que quand je l'ai acheté un peu vite. Je me suis pas appesantie sur chaque lettre, vous voyez. Mais j'ai trouvé qu'il y avait franchement des facilités. Par exemple, pour le squelette, là, la radio, c'est marqué X-ray. Mais du coup, c'est de l'anglais. Je sais pas, elle pouvait pas mettre genre xylophone. Enfin, c'est dommage. Peut-être qu'il n'y avait pas la place d'écrire, mais j'ai trouvé ça un peu bébête. Pareil pour le dinosaure T-Rex, bah, ils vont voir ça, ils vont dire « Ah, c'est écrit dinosaure !» Pas du tout, enfin, pas du tout. Du coup, je trouve que c'est pas aussi bien fait que ça aurait pu l'être. Mais bon, peut-être que je pinaille, je ne sais pas, nous verrons.
Voilà, et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous assure qu'on arrive au bout du truc, hein, c'est déjà énorme. Petit sachet de bonbons. Et un jeu de société, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais franchement, à la maison, on est férus de jeux de société, que ce soit, je range au fur et à mesure, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, on est fan. Moi, je sais que j'ai été biberonnée aux jeux de société quand j'étais enfant et ça m'a jamais trop quittée. Du coup, un nouveau jeu de société enfant, et j'ai choisi un jeu de société. Alors, c'est à partir de 4 ans, mais Louise peut jouer sans problème. Voilà, je l'ai choisi simple, exprès, pour que Louise puisse jouer. Parce que sinon, c'est pas cool d'offrir un jeu de société dans une chasse au trésor que l'un des enfants ne peut pas faire. Donc, c'est Attrape-rêve. Il est sorti il y a quelques temps de ça, maintenant. Et il a remporté l'As d'or du jeu de l'année au festival du jeu de société de Cannes. Et la maison d'édition qui édite ce jeu, c'est Space Co. Alors, de quoi parle ce jeu? En fait, c'est un jeu trop mignon qu'on peut faire éventuellement avant de se coucher. C'est ça qui est top. Et les parties sont très rapides. Hein. Faut compter, allez, c'est marqué 15 minutes. Franchement, c'est en prenant son temps. Je pense qu'en 10 minutes, c'est torpillé la partie. Donc, on a des petits monstres. On a des petits monstres, je vais vous montrer. Sur des petites cartes qui sont de format carré. Et on a des cartes avec des doudous. Alors, il y a des gros doudous. Et puis, il y a des cartes plus petites avec des petits doudous. Donc, en fait, il faut que l'enfant, en voyant la carte du monstre, se dise « Quel doudou je vais prendre pour le cacher entièrement ?» Si l'enfant prend un petit doudou, il ne parvient pas à cacher entièrement le monstre. Et du coup, c'est pas réussi. Par contre, s'il réussit à réfléchir un petit peu avant et se dire « Je vais prendre le gros pour le cacher entièrement », là, c'est tout bon. Et bien, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte qu'on débloque des petits jetons qui sont à mettre sur une planche comme ça. Et le but du jeu, eh ben, c'est de remplir complètement sa planche. Les jetons sont rangés, j'adore le matériel de cette boîte. Les jetons sont rangés dans ce petit sac en forme d'oreiller trop mignon. Et ressemblent à ça. Ils sont vraiment tout petits. Hein. Et il y en a franchement beaucoup. Voilà. Et le joueur qui réussit à compléter en premier sa planche doit raconter un rêve, puisque c'est sur la thématique du attrape-rêve, dormir, les cauchemars, les rêves, etc. Doit imaginer un rêve, doit imaginer une petite histoire qui intègre absolument tous les éléments de sa planche. Alors bon, en fonction de l'âge de l'enfant, c'est plus ou moins simple. Donc forcément, l'adulte accompagnateur peut l'aider à brosser son histoire. Voilà, donc ça travaille. Eh bien, ça travaille quoi? Ça travaille un petit peu la bonne appréhension au niveau de la taille. Ça travaille l'imagination, puisqu'il faut inventer une petite histoire. Ça travaille aussi tout ce qui va être élocution, prise de parole, la façon de raconter l'histoire. Bref, tout bénef. Voilà, je trouve que franchement, ce jeu a tout pour plaire. On a fait le tour. Donc, je vais vite aller planquer ça dans la cachette finale avant que j'ai des enfants qui sortent de tout à fait excités de leur chambre. Ah, ce bateau veut ma mort, je crois. Pour chercher le trésor. Je vais vous filmer très probablement quelques images. Et écoutez, si j'ai le temps d'aller planquer le trésor et de revenir vous retrouver ici avant que les enfants se réveillent, bah à ce moment-là, on parlera lecture. Bon, bah écoutez, ça y est, j'ai fait à toute vitesse. J'ai rangé dans l'abri de jardin, qui est la cachette de cette année, le trésor. Du coup, j'ai 5 minutes devant moi pour vous parler lecture. Et on va commencer tout de suite avec Shirley Davidson de Darin Judd Jones. Ça y est, j'ai terminé la saga dans son intégralité hier. Ça m'a fait un petit pincement au cœur. Alors, de quoi parle cette série si vous ne connaissez pas? Eh bien, Shirley, c'est la faucheuse avec un F majuscule. Mais on va se rendre compte au fur et à mesure que progresse la série qu'elle est bien plus qu'une simple faucheuse. Mais en tout cas, dans son rôle de faucheuse, elle est capable de voir des fantômes, de les faire passer à travers son corps, qui est en fait un portail qui mène à l'au-delà. Et du coup, comme ça, bon, elle leur rend la paix et en même temps les détectives privés. Et elle résout des affaires avec son assistante qui est sa meilleure amie et qui s'appelle Cookie. Voilà. Alors, j'adore. Franchement, c'est toujours aussi rigolo. Même au bout du 13e tome, je suis très amusée parce que je peux lire. Et puis Shirley, j'y suis tellement attachée. Je ne pense pas en toute objectivité que ce dernier tome soit le meilleur de la saga. Mais écoutez, c'est sentimental. J'y suis tellement attachée, ça m'a accompagnée pendant des années durant ma vie de lectrice. Là, c'est quand même le 13e tome et je ne les ai pas du tout enchaînés. Souvent, j'en lisais qu'un par an. Donc vraiment, ça m'a tenue super longtemps.
que même si c'est pas mon préféré, bah voilà, je l'ai quand même énormément apprécié. Et il m'a fait passer un super moment. Simplement, la fin, je m'y attendais pas vraiment. Et d'ailleurs, la dernière phrase de ce livre amène un certain nombre de questions. Mais bon, d'après ce que j'ai pu voir, il n'y a pas eu de suite à ce 13e tome. L'auteur s'est pas dit, tiens, je vais écrire une série dérivée, un spin-off dans le même univers. Donc non, non, c'est vraiment le tome ultime de la série. Maintenant, voilà, je m'attendais pas forcément à ce que ça aboutisse à ça, mais bon, en soi, pourquoi pas. Après, si j'ai une remarque à effectuer par rapport à cette série au sens large, je dirais que j'ai l'intime conviction que l'auteur, en débutant sa série, n'avait pas forcément la fin en tête. Parce qu'elle nous a dressé le portrait de certains personnages, elle a pris certaines directions, et au bout d'un moment, vers à peu près, je dirais, le tome... Allez, le tome 8 ou 9, je trouve que la série prend un autre virage, et ah, ça reste la même série, mais on change quand même un petit peu d'ambiance, ça part plus dans un aspect encore plus fantastique, vous voyez, la dimension surnaturelle prend vraiment le pas sur la partie petite enquête, scène de crime, etc. qu'on pouvait avoir dans les premiers tomes. En soi, ça ne m'a pas dérangée, mais il faut quand même le savoir. Ça fait un peu deux salles, deux ambiances, voilà. Mais bon, voilà, c'est Charlie, c'est fini et c'est trop dommage, mais je ne serai pas sans relire cette série à un moment ou à un autre de ma vie de lectrice, donc je ne suis pas franchement inquiète. J'ai commencé une autre lecture que vous m'aviez choisie pour intégrer ma pile à lire estivale. C'est Fille de la mer, un récit qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale en Corée. C'est eh bien une culture que je connais très mal, mais j'aime beaucoup les récits historiques et les récits historiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, je découvre tout un pan de l'histoire avec un grand H dont j'ignore tout. Et c'est l'histoire de deux sœurs. On a Anna, la plus grande, et puis Amy, qui est de 7 ans, sa cadette. Et un jour, il y a un soldat qui arrive sur la plage qui risque d'apercevoir Amy. Et tout de suite, Anna sort de l'eau et se manifeste pour prendre bien la défense de sa sœur et la maintenir cachée aux yeux du soldat. Et c'est elle que le soldat va embarquer. J'en suis à ça de l'histoire, mais dans le résumé, on nous dit que elle va devenir comme des milliers d'autres Coréennes, une femme de réconfort en Mandchourie. Ça a l'air très sordide, ça a l'air vraiment horrible. C'est un récit qui est écrit par Marilyn Bracht. Je n'ai lu que de très bons avis par rapport à cette lecture. J'en suis à la page 28 sur à peu près 400. Et je dois atteindre à peu près la page 100 ce soir puisque je le lis en lecture commune avec Marie. Je suis très contente d'avoir entamé cette lecture commune avec elle. Et en parlant de Marie, elle m'a fait un cadeau pour mon anniversaire que je n'ai toujours pas pris le temps d'ouvrir. Honte à moi. Pour tout vous avouer, j'attendais de reprendre le vlog. Donc je vais regarder avec vous ce que Marie m'a offert comme livre. Visiblement, c'est un livre qu'elle a aussi, mais qu'elle n'a pas lu, et elle m'a proposé que là encore nous fassions une lecture commune. Oh ouais, c'est chouette. Ah bah là aussi, du coup, on est encore dans un récit historique. Mais c'est trop bien. Alors c'est un livre qui ne sera pas resté longtemps dans ma wishlist parce que je l'ai ajouté il y a vraiment très peu de temps. Je me suis aperçue il n'y a pas longtemps qu'il était sorti en poche. Je l'avais repéré en grand format, mais j'attendais sa sortie poche. La couve est tout à fait différente. Je crois qu'en grand format, si je ne m'abuse, il est sorti aux éditions Le Cherche Midi. Décidément, je suis enrouée là. Je suis tombée malade. Il y a quelques jours de ça, mon mari m'a gentiment fait profiter de ces microbes qui se traînent depuis 2-3 semaines dans sa grande mansuétude. Et voilà, à chaque fois que je parle, j'ai l'impression d'avoir la voix voilée, c'est désagréable. Donc il s'agit de moi, Julia de Santiago Postiglio. Donc un auteur qui a l'air d'être italien, hein, n'est-ce pas? Et qui va écrire sur la Rome antique. On est en 192 après Jésus-Christ. Et le contexte où se déroule l'histoire, c'est Commode. Commode, qui était un empereur, qui a été assassiné par un esclave. Et nous suivons Julia, qui est une redoutable Syrienne, qui cherche à asseoir son mari, qui est le gouverneur Septime Sévère, sur le trône de l'Empire romain. Voilà, ça a l'air passionnant. Là aussi, j'ai vu que de bonnes critiques. J'aime beaucoup les récits historiques et puis alors j'aime énormément tout ce qui est antiquité gréco-romaine. Je pense que ça va me plaire. Merci beaucoup Marie, ça me fait mais
méga plaisir en fait, je suis trop contente. Et puis, oh j'ai plus beaucoup de batterie, donc on va s'arrêter là tout bientôt. Comme j'en étais à parler de mon anniversaire, je ne vais pas vous étaler en long, en large et en travers les cadeaux que j'ai eus, mais vous montrer au moins ce collier que vous allez voir très souvent accroché à mon cou. Je me redresse un petit peu, je suis assise en escalier, alors excusez-moi, c'est pas très pratique. Donc c'est un collier qui vient du site Happy Bull, qui m'a été offert par mon mari. Voilà, vous avez une merveilleuse vue sur mon vernis à ongles qui s'écaille. Mais là aussi, je vais pouvoir y remédier à cette histoire de vernis, puisque j'ai reçu de la part de mes grands-parents un kit du site Manucuriste pour faire, vous savez, le vernis qui dure une dizaine de jours avec la lampe à LED. Donc, je pourrai tester tout bientôt. Alors, j'avais repéré ce petit collier que j'ai demandé à mon mari. C'est pas une surprise totale. Donc, on a les prénoms des trois enfants qui sont gravés sur le médaillon. Et il y a une espèce de petite pampille où il y a l'initiale de mon prénom qui est non pas Elisa, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. Mais bon, ce qui est logique aussi puisque ma chaîne, c'est quand même Elisa dans tous ses états. Mais non, mon prénom, c'est Emmanuel, mais c'est aussi la lettre E. Donc, ça tombe plutôt bien. Voilà, et bah écoutez, il est magnifique ce collier. Je le porte tous les jours. J'en prends grand soin parce que vraiment, beaucoup de cœur. Il est magnifique. Et puis, alors, dès lors que je porte un vêtement comme cette petite combi avec un col en V, comme ça, je trouve que ça le met tout de suite très en valeur. Donc, il n'est pas prêt de me quitter celui-ci, voilà. Mais c'est vrai que je ne prendrai pas beaucoup la semaine prochaine parce que j'ai ma belle-mère, donc la maman de mon mari, qui veut venir passer quelques jours à la maison à l'occasion du baptême de Félinou, le petit chou. Donc, elle sera là du jeudi au, je ne sais plus, dimanche ou du jeudi au lundi, quelque chose comme ça. Donc voilà, mais en tout cas on va profiter de sa présence pour se faire un cinéma avec mon mari. C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion avec les enfants d'aller au cinéma très souvent. Je ne sais pas encore ce qu'on va aller voir, il y a plein de films chouettes en ce moment. Je crois que le dessin animé Super Mario est encore à l'affiche pour la énième semaine dans notre ciné. Ça me tente trop. Il y a un autre dessin animé qui est sorti, je crois que c'est Élémentaire, un truc comme ça qui a l'air super aussi. Et puis il y a Barbie qui est sorti le jour de mon anniversaire, donc le 19 juillet. Avec Ryan Gosling et Margot Robbie, deux acteurs que j'aime beaucoup. On a Oppenheimer avec l'acteur qui fait Peaky Blinders, que j'aime bien aussi, mais par contre, je ne me verrai pas le voir au cinéma. Je le verrai dans quelques mois, quand on aura moyen de le regarder. Mais voilà, je n'ai pas envie de payer le cinéma pour voir Oppenheimer. C'est intéressant, hein, je ne dis pas, hein, c'est sur l'invention de l'arme nucléaire. Mais bon, je pense qu'il y a peut-être plus divertissant aussi à regarder au ciné que ce genre de film. Hello, je vous retrouve une dernière fois dans ce vlog face caméra. Le vlog se poursuivra avec un petit clip, je pense, sur la fin. Mais ce sera un petit clip en musique qui vous montrera quelques instants volés lors de cette journée de baptême de Félix qui s'annonce donc pour samedi. Mais voilà, aujourd'hui c'est le dernier moment où je parle avec vous en vidéo. Et d'ailleurs, en parlant du baptême, eh bien ça y est, tout est prêt maintenant. Les livrets de messe sont terminés. J'ai aussi fini mes petits pochons à drager. Je ne sais pas trop comment appeler ça, mais vous savez, je vous avais montré dans le vlog précédent que j'avais acheté du papier à origami pour fabriquer ces petits sacs, ces petits contenants à drager, et j'en suis vraiment très contente. Ça a été très facile à réaliser. J'ai trouvé un tuto tout simplement sur YouTube, je l'ai suivi à la lettre et puis voilà le rendu. Ça fait vraiment très joli. Donc on a une déclinaison de vert avec tous ces petits papiers vert et rose. Voilà, donc je vais vous parler lecture avant de vous laisser. J'étais en train de vous
présenté ma lecture en cours la dernière fois que je vous ai pris en vidéo, et cette lecture je l'ai terminée. C'était Fille de la mer de Marilyn Bracht aux éditions Pocket. Un récit absolument horrible, mais horrible dans le bon sens. C'est-à-dire que ça n'a pas été un coup de cœur, mais en tout cas, ce livre a eu pour vertu d'éduquer et de dénoncer les violences sexuelles qui ont été faites aux femmes durant notamment la Seconde Guerre mondiale en Corée du Sud, où entre 50 et 200 milliers de femmes ont été kidnappées, arrachées leur famille et envoyées dans des bordels, notamment en Mandchourie, pour servir voilà, de filles de plaisir à des soldats japonais, parce que dans la culture asiatique, dans la culture japonaise, le fait de d'avoir un rapport sexuel comme ça avec une femme avant un combat permettait une espèce de vitalité, de puissance accrue. C'est horrible. Donc c'est bouleversant, c'est hyper bien écrit, c'est très immersif. Parfois, il y a certaines scènes qui sont difficilement soutenables. Donc vraiment, c'est un livre qui est dédié à un public averti. Mais en même temps, j'ai trouvé que c'était tellement enrichissant d'un point de vue culturel et historique, parce que, comme je vous le disais la fois précédente, c'est une période que je connais très mal dans les pays orientaux. Et du coup, j'ai appris plein de choses horribles certes, mais plein de choses quand même. Notamment cette espèce d'invisibilisation qui a été faite à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, où finalement, ces femmes en détresse ont été reléguées au rang de problèmes négligeables face à toute la reconstruction, la restructuration du pays qu'il y a eu à faire, puisque à la suite de cette Seconde Guerre mondiale, donc il y a eu la scission entre Corée du Sud et Corée du Nord. Et bref, finalement, indemniser ces femmes qui ont servi de filles de plaisir et de défouloir à des hommes en rut était, voilà, quantité négligeable, quoi. C'était pas le plus important. Donc vraiment, plein de choses horribles. Lecture très très dure, mais lecture très inspirante et très enrichissante tout de même. Voilà. Je suis en train de lire actuellement un petit graphique. J'ai relu hier Le Premier Bergère Guerrière. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. Elle a quelques années au compteur maintenant. Le tome 4 est sorti, je ne sais pas, il y a peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est une super saga de bande dessinée qui est très courte. Elle ne comporte que 4 volumes et qui parle de bergères et des bergères qui sont des guerrières qui, au lieu de chevaucher un cheval, chevauchent leur bouc et leur mouton. Voilà. Donc, il y a 10 ans de ça, a commencé une guerre et tous les hommes du village valides sont partis à la guerre, laissant leurs femmes, leurs enfants et les handicapés tout seuls pour garder le village. Sauf que le village a été soumis à de rudes épreuves, notamment l'apparition des brigands, etc. Donc les bergères se sont organisées, ont fondé le rang des bergères guerrières. Et du coup, dans le premier tome, je vous montre le tome 2, mais dans le premier tome que j'ai relu hier et que j'avais lu pour la première fois il y a déjà quelques années, on découvrait Molly et ses copines qui, du haut de leurs 10 ans, entamaient leur entraînement pour devenir à leur tour des bergères guerrières. Voilà. Alors, les dessins sont assez particuliers. J'avoue qu'avant de m'acheter le premier tome, j'étais pas du tout fan de ce type de dessin. Mais finalement, je trouve qu'on s'y habitue vite. Et puis le texte est génial. C'est bourré d'action, d'émotion et surtout de beaucoup d'humour. Donc c'est vraiment un super mélange. Et c'est une série qui, je trouve, a très bien vieilli. Et qui pourrait peut-être vous intéresser si jamais vous êtes amateur de graphique. Voilà, donc j'avais envie de partager avec vous cette petite relecture réjouissante. Hier, comme je vous le disais, j'ai relu le premier tome. Aujourd'hui, je me fais le tome 2. Demain, vous l'aurez compris, le 3. Et il n'y a finalement que le 4 que je n'ai jamais lu jusqu'à présent, que je me réserve pour après-demain. Je vous parlais d'un achat récent lors d'une de mes dernières séquences dans ce vlog, puisque ce mois-ci, je me suis commandé le livre de la nuit, donc le petit nouveau de Holly Black en termes d'urban fantasy, et ça m'a donné très envie de poursuivre sa saga du prince cruel. Donc c'est pour ça que le tome de Le Roi Maléfique, eh bien c'est ma lecture en cours. Je l'ai commencé ce matin et je suis pas bien avancée parce qu'on a eu du monde à la maison, donc il a fallu que je m'interrompe bien vite. J'en suis qu'à la page 40 et quelques, voilà. J'espère avancer un petit peu d'ici ce soir, d'autant que j'ai mis Marius au centre aéré pour la journée.
Et du coup, voilà, on verra ma progression. Alors, c'est vrai que le premier tome a été un coup de cœur. Il s'est passé, à mon sens, trop de temps entre ma lecture des deux premiers tomes. Du coup, je ne sais pas si je suis encore suffisamment dans le bon mood pour avoir un coup de cœur réitéré avec cette suite. On verra. Mais en tout cas, voilà, je vous la présente. C'est ma lecture en cours et je vous en donnerai des nouvelles dans le prochain vlog. Avant de vous laisser, je vais vous montrer une petite commande Vinted que j'ai réceptionnée là tout récemment. J'ai pris deux livres chez la même vendeuse. Au départ, j'étais partie pour acheter Gods of Men, qui était depuis un moment dans ma wishlist, un récit de fantasy young adulte qui nous parle d'un univers où la magie est prohibée. Et la magie a un lien très fort avec les instruments de musique, comme va... malheureusement le découvrir notre personnage principal qui s'appelle donc Sable et qui ignore tout de la magie liée aux instruments. Un jour elle va jouer de la flûte et du coup ça va arrêter le cœur de sa petite sœur. Donc sa petite sœur va en mourir et Sable est tellement traumatisée par ce qu'elle va parce qu'elle a fait, qu'elle va prendre la fuite. Elle part en exil et elle va désormais vouer sa vie à guérir celle des autres. Elle va devenir guérisseuse jusqu'à ce qu'un jour, eh bien, elle va se retrouver traquée comme une bête sauvage. Voilà, je n'en sais pas plus, mais en tout cas, il y a de super bons avis sur Livre Addict. Et depuis longtemps, ce livre m'intriguait, donc je suis contente de me l'être procuré. Et en regardant le dressing de la vendeuse, je suis tombée sur ce livre-ci, qui n'était pas dans ma wishlist. Je vais vous dire dans un instant pourquoi. C'est « Il était une fois un cœur brisé » de Stephanie Gerber. Je crois que c'est le premier tome. Je ne suis pas sûre que ce soit d'une trilogie, mais en tout cas au moins d'une duologie. Stéphanie Gerber, on la connaît pour sa trilogie Caraval. Caraval est sorti en français il y a quelques années. D'abord le premier tome, qui m'a valu un coup de cœur. Ensuite le tome 2, qui est dans ma pile à lire, mais que je n'ai jamais lu. Et après le tome 3, mais le tome 3 n'a pas été sorti par la maison d'édition qui a édité Caraval, mais par un groupe de traducteurs indépendants. Et c'est là que le bât blesse, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas poursuivi Caraval, malgré ce beau coup de cœur que j'avais eu pour le premier tome. C'est que les avis sont tellement... mauvais à cause de cette traduction que ça m'a pas donné envie de me plonger dans la suite. Voilà. Alors je ne sais pas si De Saxus rééditera un jour Caraval, en tout cas ils ont sorti Il était une fois un cœur brisé qui est dans la même veine, dans la même lignée, on est dans le même univers et on suit même un des personnages, je ne sais pas encore vraiment lequel, qui est dans Caraval. Peut-on parler de spin-off? Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, voilà, c'est une espèce de tome compagnon, en tout cas. Et visiblement, on retrouve les mêmes ingrédients phares qu'on trouvait dans Caraval, à savoir cette ambiance de conte de fées et cette ambiance un petit peu cirque sur les bords. Donc, je suis très contente d'avoir eu ces deux livres pour... Je n'ai pas envie de dire une bouchée de pain, parce que bon, j'ai quand même mis une petite somme pour acheter ces deux livres. Mais clairement, j'ai fait une énorme économie en comparaison de si j'avais dû les acheter neufs. Et ils étaient tous les deux en état comme neuf. Et je suis d'accord, ils sont réellement en état comme neuf. Et ça fait plaisir de recevoir des livres comme ça. Du coup, moi, je vais vous laisser parce que je pense que le vlog est suffisamment long comme ça. J'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais vous laisser. Je vous retrouverai au mois d'août pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles vacances. Et puis, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me le faire savoir, à me laisser un petit commentaire pour, eh bien, pour m'encourager, pour faire vivre la chaîne et puis pour me signaler si vous avez envie de continuer de me retrouver dans ce format de vlog que personnellement j'aime beaucoup et que je trouve plus simple à gérer que les vidéos où j'étais posée dans la véranda pour voilà, faire des vidéos de type book haul, update lecture, etc. Là, je vous fais vraiment un 3 en 1. J'ai l'impression que ça vous plaît bien, mais j'aimerais bien que vous puissiez me le confirmer. Voilà. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Et je vous dis d'ores et déjà, à très bientôt, dans une prochaine vidéo. Et en tout cas, c'est sûr, dans un prochain vlog. Ciao, ciao!